Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ces informations. Soyez les bienvenus encore une fois dans cette chaîne de formation qui se veut d'utilité publique. Et à l'entame de nos propos, nous vous rappelons que vous veillerez à vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner en temps opportun. Nous vous apportons aujourd'hui une contribution dans un sujet très, très important, notre rapport avec l'environnement, la problématique de l'eau en termes d'accessibilité et de qualité. Tel est bel et bien ce que nous envisageons de vous exposer aujourd'hui. Alors, ce faisant, nous partirons d'une expérience et d'une production que nous allons vous exposer. Alors, il s'agit ici, effectivement, de voir ce qui concerne le rapport entre santé, eau et environnement, avec un produit que l'on appelle le filtre fontaine S3. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ceci, nous allons voir au fur et à mesure au niveau de nos diapositives. Eh bien, suivons bien, comme je vous l'ai annoncé dès le départ, il s'agit de la problématique santé, eau, développement et environnement avec le filtre fontaine S puissance 3. L'exposé sera fait en français. Bonjour à vous tous. Nous ne sommes pas nous, nous le faisons. Et puis donc, il ne peut pas nous faire ce que nous C'est parti. Pour vous.
François Gourgaï, maître en sciences de l'éducation, diplômé aussi pour former les adultes, fabricant et promoteur de filtres Fontaine S puissance 3. Depuis lors, il est titulaire du baccalauréat canonique de théologie. Ci diggante gi jàng na diine catholique bi am ci lijaasa bi ñuy wax baccalauréat canonique de théologie. Effectivement.
تعرف ديجل Oui, d'accord. Observation numéro 2. Une eau de mauvaise qualité menace aussi la santé individuelle et publique. Eh oui, les agents de santé ne diront pas moins. Docteur Gelemba Nigre. Docteur yi and nañ ci. Observation numéro. Le faible pouvoir d'achat et la vie chère ne permettent pas à la majorité de la population de se payer le luxe de consommer exclusivement et à volonté de l'eau minérale. N'est-ce pas? Waaw, li ñuy gis day mu ngi nii néew doole ak dund gu seer tax nañu be ñu bari mënuñu dëkk di jëfandikoo ndox mu ñu sañ ci butéel di ko jaay. Voilà, donc pour cette première partie de notre exposé,
Et nous vous revenons tout à l'heure pour la suite.